Bonjour la VOD. Personne n'aime YouTube. Eh ben écoutez, n'aime peut-être pas YouTube, mais dis bonjour aux gens qui vont regarder la vidéo sur YouTube. Des sons d'alerte avec des beats, bro. Bonjour à VOD du coup. Mais non, t'inquiète, Thierry, c'est gentil déjà de te donner. On est sur Somnotique, on fait la suite. C'est et... Merci. Et c'est honteux. Et du coup, j'ai construit des trucs. J'ai construit ça, je sais plus ce que j'avais montré dans le dernier VOD, donc voilà, dans le loot, je montre un petit peu. Là, on a de l'eau, là, on a une amélioration. Là, on a notre super Thimoth. Et ici, on a une grande pièce rectangulaire un peu décevante, mais avec un aquarium de fou. Voilà. Et une fenêtre, par contre, la fenêtre est ridicule. C'est officielle. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, hein. Ah oui, j'ai mon jouet ici. Du coup, on a un message, on va l'écouter maintenant. Ici, la capsule de survie 2. Coordonnées jointes. Nous avons dépassé notre profondeur de sécurité et l'eau de fuite. Nous devons nager à la surface, mais c'est 500 mètres de profondeur, j'imagine. Nous allons au point de rendez-vous, nous vous tiendrons au courant terminé. Une tour de 15... non, pas, non pas, pas une tour, c'est pas joli. Non, là, je mettrai un petit observatoire, je pense, au-dessus, ce sera fort joli. Peut-être un petit observatoire où on accédera par ici, genre, je sais pas, je verrai ça, je vais le déplacer. Et voilà. Et c'est bien, déjà. Est-ce que j'ai de quoi faire... Oh, je galère. Faut combien de sel pour en faire? Il me faut un ou deux? Un seul, ça suffit. Je vais me faire de la flotte. Et on va aller au point indiqué. Je sais plus trop où on en est par rapport à la quête principale, mais bon, on va faire les trucs, et puis voilà. C'est bien. Mon truc de réparation. Hop. Et j'avais un autre truc. Le découpeur laser. Voilà, je remets... Je change un peu mes piles. Lui, il est bon parce qu'il y a une pile ionique. Ah oui, du coup, maintenant, j'alimente ma base avec une centrale thermique. Jean de YouTube, venez sur Twitch, sur la chaîne de Jox TV. Allez, hop, hop, hop. Ceci est un message d'Hémoglobine Dark. Ouais, j'ai pas affiché le chat. Attends, je peux l'afficher vite fait. Oh, je vais mettre encore 5 minutes à le trouver parce que je sais jamais où est mon chat. Ça me sert à rien. C'est vrai en plus. Ah, j'en ai un là. Ah ouais, mais il est mal crop celui-là. J'ai jamais réparé ça parce que je sais pas pourquoi il est crop comme ça. Bah non, du coup, je sais pas où est le chat. Mais je vous assure que si je savais où il était, je le mettrais. Ah, il est là! Voilà, il y a le message d'hémoglobine. Je suis pas jolie, ça m'empêche pas d'exister. Salut VOD, moi. Voilà, comme ça vous pouvez dire bonjour. C'est même pas où on est. Écoute, c'est dans les abysses de ma scène. Hein, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses sur ma scène. Voilà, comme ça vous avez pu dire le coucou. Et t'as fait passer ton message. Mais je, pour l'immersion, je l'enlève quand même. Un habitat du sud de la base à 500 mètres de profondeur. À 500 mètres? Non. On est... On est perdu, viens nous sauver. Jamais. Bon, moi je prends ça. Alors du coup, nous disions qu'on a... ça à faire. Et c'est à 500 mètres. Je peux aller 400 mètres pour le moment. Et... ah bah c'est là-bas du coup que t'es allé. Et point de rendez-vous de l'Aurora, on va faire ça d'abord. Même si... on y est déjà allé. Tu personne censure direct, effectivement. Vous allez dire des dingues après. Vous allez me pouca sur des trucs, ça va me dégoûter. Je fais exprès des VOD pour qu'ils voient pas tout ce qui se passe, ok? Au sud. Ah, au sud. Mais ouais, mais moi je suis jamais allé à 500 mètres. Enfin, il doit être à plusieurs endroits, la plupart des plans sont à plusieurs endroits, donc... Je sais pas.
Bon, j'y suis déjà allée, donc je sais pas ce que ça va donner. Nanoba sur le même niveau de la map à peu près. Oui, c'est vrai. Tu m'avais dit que sans faire exprès, bah, on l'avait fait au même endroit, quasiment. Mais parce que c'est un endroit pratique, chill, joli. Et on a à peu près les compos qu'il nous faut, donc bon, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et après, bah, c'est plutôt faire peut-être une deuxième base à un autre endroit s'il y a besoin, et puis c'est tout. J'ai pas scanné ça, je pense. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. J'ai scanné ça. Je sais plus par où il faut que je rentre. Enfin, je sais plus où est la petite plage. Je vais plutôt me mettre en surface. Oh, j'ai pas pris ma lampe. Bon, c'est pas grave, j'ai mon petit sig light qui éclaire. S'il faut aucun effort à refuser d'aller au-delà de 300 mètres. C'est même pas. Alors, c'est même pas que j'ai refusé. Déjà, c'est que on parle d'un plan que moi j'ai, que Féline n'avait pas jusqu'à présent. Elle m'a demandé où j'avais trouvé et je me rappelais plus, donc j'avais dit ça devait être là ou là-bas, voilà. Et là, elle m'a dit qu'elle a trouvé à 500 mètres de profondeur, mais je n'y suis pas encore allée à 500 mètres de profondeur. Donc il doit être à plusieurs endroits, tout simplement. Mais moi, Moi, tu me connais pas. Moi, je plonge. Bon, par contre, si je vais à 500 mètres, ce sera ma dernière plongée. Mais je le fais. Oui, c'est ça. Je pense qu'à part les plans qu'on trouve... tel quel, enfin pas... Je sais pas trop comment décrire. Les plans qui sont dans les sortes de PDA. Et ben... À part ces plans-là, tous les trucs qu'on scanne... On les trouve à plusieurs endroits, il me semble. Je ne te connais pas, c'est tant mieux pour toi. Je sais pas qui je suis. Je suis une dégaine, moi. Ah, c'est vrai qu'il y a des fruits. Alors, le jeu me dit d'aller là. Oh no. Mais comment je descends? Ah, mais c'est qu'il y a une grotte. Ouais, ça doit être ça, moi. Je suis pas du tout à l'entrée de la grotte, par contre. Vous allez voir, hein. Ah mais là si je descends je suis dans la sauce. Est-ce qu'il fallait que j'y aille en simoff? Peut-être hein. C'est possible hein. Non, rebondis pas, je t'en supplie. Oh, je sais plus, vu que je vois rien, je reconnais plus trop les chemins. Ok, là ça semble bien. Oh ouais, j'avais oublié ça. Enfin, je me rappelais qu'il y avait un truc comme ça sur l'île. Oh, j'ai pas du tout de où par contre. On a un portail! J'aurais dû emmener le truc vert. Faudrait que j'y retourne. Par où je vais pour aller là-bas? Regardez par ici s'il n'y a pas un petit passage en... Ah peut-être par là. Ouais par là je le sens hyper bien. Trop pas. Pourtant je le sentais hyper bien. Ah j'ai mal à mon petit doigt à force de faire shift. J'ai trop mal à mon shift. J'ai des petits doigts. Beaucoup trop faibles. Vive les portos! Tout à fait! Ça mérite un très beau noyau, Lox, quand même. On a dit porto, hein. Très beau noyau, Lox. Merci, hein!
Ça m'a rien fait, rien à battre. Putain, j'aurais pu y aller en... Vas-y, j'y vais en machin, là. Faut pas déconner. Si c'est... Pourquoi c'est tout du caca? Pour toi, Pérou. Non, Aurel. Je pensais à Aurel. Tu sens hyper bien, faut aller dans la direction opposée. Mais je sais ça en plus, hein. Bonne nuit, Moglobine, bo-boy. Bo-boy. Bonne semaine, bo-boy. Ou alors je peux le dire comme Meloka. Bo-boy. Ciao, bo-boy. J'ai pas sa voix, hein. J'ai pas sa voix incroyable. Donc sachez que c'est juste une pâle imitation de sa douceur. Message de rendez-vous. Nous devons remonter à bord de l'Aurora, réparer les communications à longue portée et contacter les autres survivants. On ne peut pas être les deux seuls à avoir survécu. J'espère que le son n'est pas trop fort du jeu. Je me rends compte qu'il est peut-être un peu fort, je vais baisser un peu. Ce ne sont pas les ordres que le capitaine m'a donné, ce sont pas les ordres que je vous donne. Ce n'est pas une chaîne d'ordre, c'est la survie. Mes obligations en tant que commandant en place ne changent pas. Avec le sens du vent, sortez de l'eau. Si j'ai des problèmes, je vous enverrai mes coordonnées. Je ne peux pas vous laisser partir seul. Alors venez avec moi. Vous ne me laissez pas beaucoup de choix. Réception de transmission du champion officier Keen. Le rassemblement fut un échec. Nous avons intercepté une transmission du QG d'Altera. Il semble qu'ils ont envoyé un paquet de données à l'Aurora. Nous avons été interceptés par un prédateur de classe Léviathan avant que nous puissions atteindre le navire. Considérez la direction technique et moi, mort en mer. Soyez prudents. Keen. Terminé. Voilà. Et eux, on les a suivis pendant tout leur périple, les Keen. Tant pis. Ah oui, on peut passer par là. Ok. Eh ben, c'est super. Par contre, en vrai, je viens de faire un truc inutile. Par contre, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à débloquer ici, en réalité? C'est une possibilité. Toi aussi, tu es douce. Bon, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple, mais t'es douce. Merci. Merci d'avoir essayé Infernal Angelus. Non mais ce qui est bien, c'est que j'ai dit à mes modos qu'ils avaient le droit à mon honnêteté en tant que modo. Et ben, c'est réciproque, voyez. C'était pas eux qui ont fait la construction sur l'île. Non, c'est vrai. Non, les autres, c'était un père, son fils et une mercenaire. Après... Ouais, non, mais c'était ça, en fait. Après, je sais plus leur nom. Ah, mais c'est là-haut, le truc. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai pas à quoi faire marcher le machin, donc on verra tantôt. On a fait déjà ça, c'est super. Ah, bon, c'est pareil. Du Degassi. C'était ça, c'était survivant du Degassi. Marguerite la bestie, c'est toi bestie. Comment ça bêtise? Non! Moi j'ai pas bêtise. Moi je sais à fond ce que je fais. Et d'ailleurs ce qu'on va faire c'est... Alors ça c'est 500 mètres de profondeur et ça c'est 250 mètres, on va aller là-bas. Ah bah voilà! La base du Degassi, justement. On y va. Degassi. Est-ce que j'ai besoin de bouffer ou de boire? De boire un peu. Il y a quoi ici? Oh, j'aime trop. Je vais aller voir vite fait. Ah ouais, d'accord. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci Linou. Comment qu'il va celui-ci? Merci beaucoup. Merci pour le raid adorable de ton adorable personne. Et ton adorable commu. Merci.
Est-ce que ça faisait-il pas du PUBG encore ce soir, tiens? Il me semble que j'ai vu ça tantôt. Je m'enfonce vraiment dans les profondeurs du néant. Oh, j'aurais pu placer une blague sur Twitter, mais on s'emmerde. On souffle fort, alors j'ai pas fait. On trouve autre chose. Merci beaucoup, petit Vinou. On enchaîne. Bon, ça va? Ça s'est bien passé? Pas trop de frustration? Petit pubg avec Gilo, je parie. J'aurais tendance à parier ça, ouais, pour ma part, ouais. Oh, j'aime trop quand il y a la lumière comme ça qui vient de la grotte. J'ai trop envie de voir. À cause des plantes. J'ai scanné celle-là? Mais est-ce que je peux la scanner? Je peux peut-être pas forcément. Scrutinant. Ouais, j'ai scanné. Scrutine. Je t'ai scanné, toi? Ouais, je t'ai scanné. Tiens, et toi, je t'ai scanné? Tout scanné, mais j'aime trop des petits te gros comme ça, là. C'est mignon, un peu inquiétant, joli. Non. Moi, je vais où? Je vais là-bas. Non, pas du tout. Je vais là-bas. Top 1. Oh, GG. Vous étiez 4? Vous étiez une full team ou pas? Ou juste à 2 avec des randoms? Mais j'imagine que pour faire 4 top 1, ouais, vous étiez en full team probablement. Avec la communication, c'est mieux. Il est gentil par la bite, celui-là. Merci, Moraine Glace. Merci, bienvenue. Ok, non, là j'y vais pas. Moi je vais là-bas, moi. C'est ça mon objectif. Et on est près de la maison. Elle est où ma maison? On est près de ça. Ouais. Ah, ma maison elle est là-bas. Attendez, je rentre à la maison vite fait, je vais manger un truc. J'avais pas vu que j'étais passée à ma maison. Bonsoir à tous, salut Maureen. Ou Maureen peut-être, je ne sais pas. N'hésite pas à me dire s'il y a une prononciation qui est mieux que l'autre. Avec Rezar qui dit ouais, comme la dernière fois que je vous ai vu. Je vois. Eh ben cool! Ça va, ça le fait votre petite team là. Alors, ici, on a de la bouffe. Bah attendez, j'en profite pour vous montrer ma... À ceux qui... Oh, Raiders. Pour vous montrer ma base. Et je fais des petits Somnotica nocturnes en ce moment. Mais on n'a pas du tout... On fait pas que ça. Là, ce soir, c'était Distant Dreamlight Valley avec Meloka. Puis la Somnotica... Demain, probable Supermarket Simulator, même si j'avais mis un autre jeu à la base. Et après, React avec Guile sur du AB Prod. Et après, reste de la semaine, tout ça. Voilà, des petits trucs de prévu par-ci, par-là. Moraine, ok. C'est pas grave si c'est oublié. Ok, je vais essayer de m'en souvenir. Du coup, ça c'est ma base avec une fenêtre pas dingue, mais après je ferai un observatoire plus joli. Par contre, du coup, j'ai un grand aquarium et j'ai un deuxième grand aquarium trop stylé. Regardez. Hop, là je fais ça, puis je fais ça. Et piment. Et là, il y a des baleines qui passent. Enfin, c'est pas des baleines, mais c'est des mobs qui sont comme des baleines. Immense et sympa. Voilà. Ça c'est ma petite base. Qui est encore en cours d'élaboration, j'apprends un petit peu. Bon, c'est pas la première fois que je joue à Somnotica, mais avant, je faisais pas trop des grandes bases. Là, c'est la première fois que j'essaye de faire un truc un peu grand. Oh, c'est à quoi même, je vais tellement mettre des trucs, mais je sais pas encore quoi. Ok, j'ai quoi sur moi? J'avais dit que je rentrais, je vais poser ce que j'ai sur moi, j'avais dit que je rentrais manger. Je pose mon titane. Précieux. Non, ça je vais mettre ça dans cristaux. Ça faut que je déplace, hein. Je le mettrai genre là. Ça sera très bien là. Truc. Ouais, j'ai vraiment mis juste un truc. Ah, c'est du sel. Mais pas sur moi d'ailleurs. Non. Ok, tout ça c'est bon. Non, ça a l'air d'être bien.
Ouais, ça me donne un peu de flotte en même temps. Hop, je prends mon petit goûter et je me barre. Je me barre et je vais, du coup, on avait dit là. Petite sauvegarde avant. Et c'est il part. Oh, il est tout pas. Tout est queue. Faut que je le répare. Comment ça se fait? C'est parce que je me prends plein de poissons ou c'est. Ou c'est parce que eux m'attaquent? Ah oui, faut que je vois un truc. Vite fait, vite fait, vite fait, je vais voir un petit truc important. Je peux faire une amélioration pour emmener mon petit sous-marin plus bas, pour qu'il puisse aller plus en profondeur. J'ai pas fait de blague encore une fois, j'ai pas fait de blague. Et du coup je regarde. C'est le module MK2. Au lingot de plastacier magnétite, fer émaillé. Et ben je crois que j'ai totalement tout pour le faire en fait. Mais je vais faire ça en rentrant. Là on va chill. Ah ! Youhou ! Ce musical me fait regretter que les Reef Packs n'existent pas en vrai. Ils sont tellement stylés. Mais beaucoup de créatures en vrai sont sympas. Ce que j'aime bien moi c'est le fait qu'il y ait beaucoup de créatures qui soient un peu lumineuses. C'est quand t'es dans les grottes et tout ça, qu'est-ce que c'est agréable. C'est ça que les Reefbacks sont stylés. Mais le baleine c'est stylé aussi, juste les pauvres quoi. Désolé d'exister à cause d'elles, les pauvres baleines. Mais enfin à côté d'elles, pas à cause d'elles. Désolé d'exister à côté d'elles et de leur faire subir notre présence en permanence. Mais sinon, en vrai, c'est stylé, les baleines. C'est quoi mon mob préféré? Je crois que c'est les sortes de raies lumineuses, comme j'ai dans mon aquarium. Trop stylé. Des bisous, Mestriki! C'est ça que j'oublie tout le temps leur nom. Reefback. L'Ouest prohibé m'attend. L'Ouest prohibé. C'est le nom d'un jeu? Prohibited West? J'ai pas un rêve. Mais bon prohibage! Forêt de champi, tout à fait. Horizon Forbidden West. Ah punaise, j'avais oublié que c'était ça le sous-titre du dernier Horizon. En espérant qu'il soit au petit et tout. Que la sortie PC soit cool. Mais en fait, je suis au-dessus. Ah oui, voilà, je me disais. Je comprenais pas. Je me disais comprendre. Jedi Ray. Ah ouais, c'est pas. Les Jedi Ray, c'est pas ceux avec. Oh, si, peut-être. C'est ça, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais j'y suis déjà allée là en fait. Mais c'est pas grave. Enfin, je crois, hein. C'est là où je suis déjà allée. Quoique, non, j'aurais trouvé ça. Non, bah non. Alors. Bah si, parce que c'est là où j'ai eu ça. Donc si, si. Signal Integrating new PDA data. Bah si, c'est ouvert en plus. Je suis totalement déjà venue ici. Soit j'ai pas bien fouillé, soit il y a des trucs qui apparaissent après. Ce qui est possible. Les deux sont possibles. Oh, je suis coincée. Ça me permet juste d'aller là, ce qui ne m'est pas d'une grande utilité. Je peux juste faire ça ici. Non ! La dernière fois, ça m'avait vraiment défoncé. Alors.
C'est quoi le truc que je viens de débloquer? Oh, j'ai pas de check. C'était pas celle-là qu'on a eue. Oh, je ne sais plus. Ah, de Gazi. Ah ouais, non, mais il y en a plein que j'ai pas lu en fait. Regardez autour de vous, chef. De l'eau s'infiltrant à travers la coque. De l'eau à l'extérieur de l'écoutille. Nous sommes en train de nous noyer. Très lentement, si les secours arrivent, ce qui nous a abattus, ça va le refaire. Ah oui, d'accord, le... Ok. Ça doit pas être ça qu'on a eu. Jusqu'à ce qu'on soit hors jeu, oui. Votre fils a trouvé quelque chose sur un scanner, il y a quelque chose qui ne devrait pas être ici, vous êtes folle. Je suis comme d'habitude, j'ai une idée que vous allez tous les deux suivre. Pardon, excusez-moi, je comprenais pas la phrase. Mais si vous le faites, notez bien cela, votre autorité cesse au niveau de la mer. Ordre hiérarchique. Bon, il s'engueule sur la hiérarchie, le dilemme. Savez-vous ce que m'a dit Maïda aujourd'hui? Elle souhaite construire un habitat à 500 mètres en dessous du niveau de la mer, à plus d'un kilomètre au nord-ouest d'ici. Ça me dit quelque chose, ça? On l'avait pas déjà lu? Dents de rôdeur. Bon, je ne sais plus. En tout cas... Je sens pas qu'il y ait des choses qui apparaissent sur son outil. Bah ouais, mais j'ai quand même ramassé un truc, alors du coup, ça voudrait dire que j'ai raté plusieurs choses. Après, la quête principale sert à ne rien rater, justement. Enfin, rien rater d'important. Je vais m'en aller. Si je trouve où est la sortie. Genre là-bas. Ouais, ça semble bien, ça. J'avais peut-être pas vu. Impossible, mais ok. Je vais me cogner. Oh, ça va. Okay. 100% de vie, mon machin. Et ben, ça c'est cool. Maintenant, va falloir. Ça, c'est à 500 mètres. Et ça aussi, je pense. Va falloir construire le module pour aller plus bas. Oui. Je vais peut-être choper du titane aussi. Ah bah, il m'en faut. Il m'en faut de fou en fait. Non, je vais pas rentrer tout de suite. Je vais prendre du titane totalement maintenant. En fait, c'est ce qui va se passer en fait. Arrête. Je suis coincée. L'avantage, c'est quoi? J'ai un petit stockage, alors je vais pouvoir foutre ça dedans. Et sinon... Ça va le faire. Je me suis tapé la main dans le micro et ça m'a fait un peu mal. Mais j'ai beaucoup de pile sur moi. Et oui, parce qu'il faut que je fasse des lingots de plastacier. Et pour ça, c'est lingots de titane et lithium, il me semble. Et pour faire un lingot de titane, il me faut 10 titanes. Ce me semble. Donc on va essayer d'en choper un peu quand même. Quand même. Genre là-dedans. Genre pas là-dedans du coup. Pour Lox, c'est un état possible. Rien n'est impossible, surtout lorsqu'il s'agit de son inattention. Mais bon, en vrai, je suis hyper focus. Ça m'étonne vachement ce que tu dis. Là, il y a quoi? Oh, c'est un œuf! Est-ce qu'on le prend? Non, je vais prendre des animaux de contrées lointaines. Ça me semble vachement mieux. Ça, c'est ma base de l'extérieur, d'en dessous même. Ça, ça vole un peu. Ça. Mais ça passe. Ah bah je vais scanner un peu ici. Donc on est d'accord que les phares
ça fait pas descendre la batterie plus vite. Moi, dans le doute, quand je vais vachement économiser ma batterie, je faisais gaffe à ça. De mémoire, non. Ouais, c'est ce qu'on avait un peu constaté. Encore de la place. J'ai pas trop envie de m'enfoncer et pas retrouver la sortie. Prendre du quartz. Parce que je vais continuer à faire plein de verres partout. Ah ! Oh, c'est un œuf ! Je crois que j'ai chopé un œuf. Ah non, c'était du titane. Ah oui, si. De créature. Ouais, mais je sais de quoi ça va être, la créature. J'avoue qu'un peu la flemme de les avoir. Je les vois trop déjà. Je te rends ton œuf. Pour le cyclope, faut jamais oublier d'éteindre le moteur au complet. Ah ouais, il y avait un délire comme ça. Bonne nuit, Titi Plouao ! Des gros bisous ! Plongé dans les magnifiques abysses. C'est vrai que c'est beau. Et puis c'était cool, oui. Petit début de soirée avec Meloka, ça m'a fait trop plaisir. Toujours cool. Sur n'importe quel jeu, ce serait cool de toute façon. On peut jouer à n'importe quoi, on passera une bonne soirée. Bah merci beaucoup. Et des bisous. Et moi, je vais pouvoir faire full titane, parce que j'en ai un peu. Maintenant, j'ai plus du tout à m'inquiéter de l'énergie. Enfin, pas beaucoup. Du tout, je sais pas, mais je pense que c'est parce que mon truc est trop... comment dire, ma centrale thermique qui m'alimente, là, elle est peut-être trop... trop loin de la source thermique. Peut-être que si je la mets plus proche, j'aurai encore une meilleure... encore plus de puissance, je pense. Faire du verre. J'ai un seul lingot de titane. Par contre, j'ai du titane à faire avec ce qu'il y a là-dedans. Comme ça, au moins, même si je le transforme pas spécialement en lingot, j'ai la place. Fuck. Et ben, juste, j'aurai du stock de titane, quoi. C'est juste utile pour à peu près tout. Ah bah je peux déjà faire un lingot de plastacier. Bah c'est nice. Bon feu. Ah j'ai un petit cheveu qui se coince quelque part. Ah c'est bon, ça a l'air d'aller. C'est bon, ça va en fait. Un endroit avec un poids chaud dans la zone de départ. Ouais, je le cherchais même pas. Mais je voulais un endroit avec une vue dégagée et je voulais que les rives back passent devant moi. Alors du coup, bah, ça s'est imposé naturellement. Au départ, j'étais même très à côté de la source. Mais ça faisait trop de bruit, ça me saoulait. Regardez. Fonce droit sur nous, par contre. Non. Et du coup, bah, là-bas, c'est plus pour la vue. Et après, j'ai vu la source. Je l'ai pas utilisée tout de suite. Et c'est aujourd'hui que j'ai fait enfin ma centrale thermique. Salut Killian Hurt. Est-ce que j'ai bien... Non. King Lion Hurt. Pardon. Je l'ai très mal lu. Oh, la vue est parfaite. Je peux même mieux voir de là-haut. Mais un moment... Mais je me ferai l'observatoire pour vraiment beaucoup mieux voir. Ici, l'observatoire. Ou alors comme ça. Non, ici, c'est bien. Ça suffit. Ou alors devant. Devant c'est mieux en fait. Que en hauteur. Devant c'est mieux. On verra.
Mais ouais, je crois que c'est eux mes mobs préférés, mes plus, les plus jolis en tout cas. Les petites traits lumineuses. Ok. Lingot de plastacier, il me fallait quoi d'autre? La magnétite, hein, je crois. Ouais, deux. Et le module. Ah, le verre émaillé. Le verre émaillé, c'est avec les dents. Une seule dent. Salut Carbars. On doit jouer à Bilo Zero pour faire un classement complet des mobs. Ah, c'est vrai que dans Bilo Zero... C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Mais je trouve que dans Bilo Zero, ce qui est encore plus impressionnant, c'est les biomes. Ils sont encore plus ouf. Non, mais dans Bilo Zero, je sais ce que je préfère. L'énorme... Clairement. Ok. Magnétite, hein, on avait dit. Magnétite. Je vais chercher ma magnétite qui n'est pas du tout là-bas. Truc qui se met sur les sources d'eau chaude? Ah, je me rappelle plus de ça. Il y a des trucs où on peut rentrer dedans. Mais je veux pas en dire trop plus parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait vidéo zéro et je veux qu'ils puissent le faire et le découvrir. Mais je me rappelle plus du coup des sources d'eau chaude, j'avoue. J'oublie. Oui, oui, c'est bien eux. Ah, j'avoue que la première fois que j'ai vu, j'ai trouvé ça très stylé. Par contre, c'est ici qu'on le craft, oui. MK2. Je pense que je vois. Mais de toute façon, on le refera après quand on aura fini... Cette petite Rex. Oh, mais je peux déjà aller. 3 rubis. Est-ce que. Oui, j'ai 3 rubis normalement. Je vais peut-être déjà faire tout de suite la meilleure amélioration. Sont mes rubis. Surtout, je vais retrouver. Et du coup, c'est un autre lingot de plastacier. Bah, go, hein. Eh, go, hein. Ouais, bah, je vais faire ça. Peut-être le lithium, je commence à plus en avoir. J'en avais pas... Enfin, j'en avais pris un peu en moment, mais... Pas trop... Ça va. Je sais plus s'il m'en faut un ou deux. J'avais un petit bobo sur le bras et je m'en suis pas aperçu. Bref. J'ai fini par avoir un faible pour les singes de mer. Oui. Oui, oui, oui. Moi aussi. Mais... J'aime bien que j'ai... Enfin, j'ai toujours une préférence pour les mobs un peu balèzes. Et là, en vrai, je pense que sinon... ce serait le ghost. Mince! MK3, on se refuse rien. C'est jaloux. Mm-hmm. Et voilà. Mm-hmm. Un sup. Un sup. Ça va jusqu'à combien? Le MK3, j'ai oublié. 600 seulement? Well, excuse. Me, princess. Mais je t'en prie. 900, putain, j'avais oublié qu'il allait si profondément. Moi, j'étais sur du 600. Oh, c'est cool. J'avais oublié, c'est cool, c'est une bonne surprise. J'aime tellement le Simos. Tant que je peux explorer avec, j'explore avec. Oui, c'est l'engin qui va le moins bas, par contre, oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est déjà pas mal. J'avais oublié qu'il pouvait quand même être assez intéressant. Ok. Ça c'est fait. Petite sauvegarde. Et ensuite... Et
Et ensuite, bah, on va pouvoir se barrer. Ah si, je voulais voir quand même. Attendez, attendez. Je peux avoir des meilleures palmes. Réservoir, léger réservoir, attendez. Vraiment une meilleure maniabilité. Ah, d'accord. Ah voilà, réservoir très haute capacité. Il me faut 4 lithium. Ok. Et les palmes? Je vais faire les deux. Je vais faire le réservoir à très haute capacité. Et les palmes. Quand je me rappellerai où est-ce que j'ai tout foutu. Alors non, mais là, oui, il y a des trucs. Voilà, ça c'est pour les palmes. 4 lithium, c'est ça? J'ai oublié déjà. Je les enlève, mais j'ai peut-être pas besoin de les enlever. Titanium. Même si en vrai j'utilise le Seaglide tout le temps, donc je sais pas si c'est vraiment le truc le plus intéressant. Pour le Prowl. Canon à répulsion. J'utilise pas ça, mais ça me prend de la place dans l'inventaire aussi. 4 lithium, bah, je pense que j'ai plus assez. Du coup, on aurait peut-être dû faire ça d'abord. Oui. C'est pas grave. C'est pas très grave. Si je pouvais aller chercher un petit lithium, ce serait pas mal. Je vais peut-être aussi arrêter d'avoir 1000 piles. En plus, j'en ai une qui est dead. J'ai ma lampe torche sur moi, mais franchement, je vais la poser, la lampe. Je me sers de mon petit Seaglide pour éclairer, donc ça va gâcher. Elle est où? Là. Ok. Les fruits que je connais. Oui, effectivement, il y a peut-être des fruits que tu connais pas. Ouais, je fous mes décos là-dedans, parce que comme ça, ça me gêne pas. Et en plus, ça fait comme s'il y avait un mini vaisseau qui avait atterri et qu'il y avait un monstre sur l'île et une casquette. Parce que je sais pas. Jamais utilisé la lampe torche. Je l'ai pas beaucoup utilisé non plus, c'est vrai. Tac, tac, tac. Ça c'est fait. Est-ce que je vais me chercher mon petit dernier lithium quand même? Avant d'aller vraiment en profondeur. C'est tentant parce que. Capsule de survie. Ouais, pour une capsule de survie, limite en y allant, je vais peut-être trouver ce qu'il faut. Capture de survie, y a pas vraiment besoin. Et après, c'est quoi? À la base, là, il y aura peut-être plus besoin. Je vais aller à la capsule de survie d'abord. J'ai rééquipé mes palmes, oui. On est-y part. C'est vrai qu'elle éclaire mieux, mais bon. Pour l'emplacement qu'elle me prend, sachant que quand je nage, j'ai le Seaglide en main, donc c'est vraiment quand je suis en train d'explorer un petit truc. Et souvent, le Seaglide en vrai suffit. Souvent. Mais oui, c'est vrai, je l'ai constaté la dernière fois qu'il y avait quand même une diff. J'ai quasi jamais le Seaglide à partir du moment où j'ai le Seamoss. Bah en fait, c'est quand j'explore dans un complexe. Ou dans une grotte étroite, ou que je vais chercher des compos. Je fais tout en Seaglide, vu que même quand tu vas prendre des compos, tu peux le garder à la main, t'as pas besoin de m'enlever. Donc moi j'avoue que je fais tout en Seaglide. Quand j'ai le team. Enfin, quand j'explore quoi. C'est j'ai exploré ça d'ailleurs. Quand j'explore hors du Seamoth. Genre là typiquement un truc comme ça à fouiller, je vais souvent avoir le Seaglide en main, ouais. Ça dépend, après. Et pour les compos, je l'ai beaucoup. Oh, je peux pas. Oh, je pensais trop que je pouvais. Oh no. Oh, y a un œuf. Œuf de rôdeur. Ah, maintenant, je sais. Trop marrant. Ah oui, outil de réparation. D'accord, j'ai compris, ça va, j'ai compris.
Mais c'est vrai que la lampe prend moins de place par contre. Ça c'est vrai. C'est fou que ce soit encore alimenté. Oh, c'est juste pour ça peut-être, il y a rien d'autre. Mais bon, avec les palmes glissantes, j'aurais peut-être tout intérêt effectivement à poser le sea glide maintenant, puisque je vais aller quand même un peu plus vite en nageant. Pas grand chose d'intéressant. On se casse. Capture de survie, oui, c'est bien le bon endroit. Bah après dans Below Zero, on n'a pas le Seamoth. Du coup, ça manquait un peu, moi, je trouvais, dans Below Zero. Il est tellement agréable à manier. Mais la lampe ne te fait pas aller plus vite, c'est vrai. Mais du coup, bah voilà, ça dépend des besoins. Et c'est vrai que moi, je l'utilise pendant longtemps, le Seaglide en général. Mais là, bon... Pour le côté explo, c'est peut-être le peu de vitesse que ça me fait gagner, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus utile, quoi. What is that? Chargeur à pile, j'ai déjà. Un peu moins immédiable, mais ils ok. Mais bon, je pensais tellement qu'on aurait un Seamoth amélioré, moi. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu des versions améliorées qu'on avait de certains trucs et tout. De modification, bah j'ai déjà chargeur de pile, j'ai déjà et sac de fourniture et de la flotte et bah voilà. Propulsion. Il est où mon truc? Elle s'y dirige. Je vais pas beaucoup dans cette région. Donc j'en profite pour rattraper ce que j'avais pas exploré, même si du coup, bah, je fais ça un peu tard vu que c'est que des trucs dont j'ai plus trop besoin. Que des trucs que j'ai déjà craft. Y'a les ballons. Mentionne Nautica 3 en tout cas. Ouais, bah faut pas être trop pressé, hein. On se doute que même si l'early sort normalement l'année prochaine, on sait pas quand l'année prochaine et bon, on n'a pas trop eu d'infos encore, donc moi disons que là, je suis contente d'y rejouer, ça fait trop plaisir et j'attendrai de voir les infos qu'on a sur le jeu. Et effectivement, il y a très peu de chances que je n'y joue pas. Même si les infos me... Enfin, même si, imaginons, il y a des trucs dedans qui me plaisent pas ou je ne sais quoi. Oh, j'adore cette ambiance. J'y jouerai très probablement de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais bon, il est possible que... s'il sort en early l'année prochaine, eh ben, il sera fini peut-être que l'année d'après. Et moi, j'ai pas envie de me gâcher la découverte. Je te scanne, toi. Le psychopoulpe, là. Il
Il aurait peut-être fallu le canon à répulsion. On va voir. Je vais me rapprocher un peu. Il m'a foncé dessus. M15 Cyclope. Ah. On va devoir commencer à regarder ce qui nous manque pour le Cyclope, je pense. Hein. Même si moi, je le fais tardivement, le Cyclope. Non, non, n'attaque pas. Non, 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 non. Je vais le réparer d'abord. Salut, Gostas. Non, mais... Oh merde. Elle est là-bas, tiens. Relou. Alors, qu'est-ce que... Je me fais encore attaquer mon truc. Mais... Merde, là. Ça vous va? Vous êtes décédés, les poissons. Trop pourris. Ça me plaît pas. Hein. Magnétite, hein. Coucou, Nakurumi. Je vais faire un petit coucou. Oh, c'est gentil. Bah c'est sympa de sortir du lurk pour faire un petit bonjour à tout le monde, c'est mignon. Désolée, je lis ton message très tard parce que j'étais un peu focus. Ouais, je me suis pas beaucoup rapprochée. Va falloir qu'ils prennent leur temps pour bien faire de toute façon. Ouais, et puis moi voilà, je le testerai. Enfin s'il y a une early de Subnautica 3 qui sort, enfin 2 plutôt, parce que ce serait plutôt le vrai 2. Je la testerai quand il sort, juste pour voir un petit peu, avoir un petit avant-goût, et après je le laisserai reposer jusqu'à ce que ce soit intéressant d'y jouer et qu'il sorte si possible, voilà, entièrement quoi. Eux, c'est utile d'éteindre les phares, il me semble. C'est vrai qu'ils sont peut-être attirés par la lumière. Bisous, Vinou! N'hésitez pas à passer voir Vinou si vous voulez voir du PUBG. En ce moment, il est beaucoup sur des FPS ou TPS. Voilà, et vu que je sais que sur cette chaîne vous en voyez pas beaucoup, peut-être que ça pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à passer voir le petit Vinou. Petit Vinou bidou. Toi, je t'ai scanné, toi. Non, je t'ai pas scanné. Arrête! Ah! Je t'ai cramé. Je peux même pas te bouffer, fais chier. Ces petits piranhas, on peut jamais les manger. Welcome aboard, Captain. All systems online. Mais ouais, le... Comment ça se passe, cette progression sur Subnautica? Bah très bien, très bien, très bien. Toujours un immense plaisir, ce jeu. Je suis juste trop contente quand j'y joue. Voilà. Et je suis trop contente de discuter du jeu avec des gens qui le connaissent ou qui le connaissent pas. Parce que... jeu de fou. Je me répète énormément, mais là, d'y rejouer, ça faisait vraiment longtemps que j'y avais pas rejoué. Qu'est-ce que c'est trop plaisant. Redécouvrir les biomes et tout. J'aime trop. Apparemment pas de lithium ici. Non, je crois que c'est trop bas. Ou alors non, ça dépend peut-être des biomes. Ouais, tout ça, c'est du quartz, j'en prends un peu, mais bon. Il y en a beaucoup quand même. Alors, ces trucs-là, je sais plus à quoi ça sert, mais je vais en prendre. Mais ça prend une place de fou. Ouais, je vais foutre ça là-dedans. Et toi, ça va, petit Gostas? Ça se passe ta semaine? Je peux déposer des piles, c'est vrai. Bon.
Bah merci de passer, merci à toi de passer nous voir, Gostas, c'est gentil. Mange beaucoup. Mais ouais, voilà, quand je veux des compos, plutôt que de rentrer en permanence dans mon CMOS, je fais ça, et c'est pour ça que j'ai toujours le Seaglide avec moi. C'est que du coup, faire des petits tours tout autour de mon CMOS avec ça, et eh ben, ça permet de looter très facilement et assez rapidement. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle du décor. C'est intéressant. Ah, peut-être ici? Non, non, il est pas là-dedans le lithium. Voilà, j'ai utilisé un petit peu de compo, donc j'en refais un petit stock, mais je vais pas non plus. Je vais pas non plus trop me charger. Et si on allait la voir? Parce que finalement, on peut. Bon, c'est vrai que j'ai pas mon oxygène haute capacité. Mais ça peut s'explorer un peu. C'est là d'où on vient ou pas? Pas tout à fait. Pas tout à fait. La réponse pour les thèmes, ça t'intéresse? Bah là, c'est vrai que je suis plus dans une optique d'exploration. Mais si j'en ai besoin, je sais où en trouver. Là, c'est plus en mode, bah si j'en trouve, j'en prends. Mais de toute façon, même si j'en trouve pas, j'en prendrai en rentrant. Voilà. Mais en vrai, je pense que dans ce biome-là, il n'y en a pas. Mais peut-être ailleurs. De nombreux restes fossilisés. Mais peut-être ailleurs, oui, forcément ailleurs. Mais je veux dire, mais peut-être... Oh, on est là! Oh, j'avais oublié ces mobs. Il y a le ghost. Il va être chaud à scanner celui-ci. Ah, arrête! Chiant, chiant, chiant. Bon, on va déjà scanner d'autres trucs. On va déjà scanner. Non mais il est... Non mais d'accord. T'as dit, il a l'air bugué. C'est peut-être le moment, non? Serais-tu pas totalement coincé, Axe, toi? Bon, toi, déjà. Toi, déjà, t'es super. J'ai dit t'étais super! Relou. Oh, il est là. Attends. Ah, mais ça, j'ai pas scanné, ça. Dans le schiste, mais effectivement, il y a certaines zones où on trouve plein... Ouais, ouais, ouais. En plus, il y a une zone pas super loin de ma base. Une anecdote avec Subnautica, j'ai un pote à moi qui a la thalassophobie. Oui, bah oui. Grâce à Subnautica, il peut réussir à vaincre sa peur. Tu penses que ça l'aiderait à vaincre sa peur ou tu penses que ça pourrait le traumatiser plus? Ah, ça, c'est les ghosts et les Viathans. Oh, c'est les bébés... pardon, c'est les bébés... les Viathans ghosts. C'est-à-dire, c'est les ghosts, tout court. Ok. C'est lui que j'ai buté en premier. Mais moi, je bute pas. Je vais aller buter celui de l'Aurora pour venger mes Simos partis trop tôt. Moi, je bute pas les animaux, moi. Ah ! C'est un jeu. Ouais, il est trop classe. Bon. Petite save.
C'est vrai que j'ai même pas scanné un seul Léviathan pour le moment. Ça pourrait être le premier. C'est un peu loin là par contre. Je vais mettre beaucoup de temps. Il est tellement classe. Ah, si proche. C'est un juvénile lui. Je me disais aussi que j'avais un souvenir qui était plus grand. Mais je vais trop lentement. Mais ils sont si durs à scanner, faut scanner la tête. Qu'est-ce que c'est que ces bataquakes? Il va trop vite, je ne peux pas. Ok. I did it. Le grand, il est pas si gentil. Ouais, ouais, le grand, je m'en rappelle bien. Je les ai vus une... C'est pas, je les ai vus une fois et plus jamais. Me take a té. Ça se gère. Et oui, je m'en rappelle. Les cadavres flottent indéfiniment en plus. Bah oui, comme tous les trucs qu'on laisse derrière nous, finalement. Ok. Trop cool. Y'a quoi ici? Du gams? Non. Du quartz. Je vais scanner un peu 2-3 queutouilles avant qu'on s'en aille. J'ai enfin le Léviathan rouge, moi. Écoute, y'a plus ou moins ça finalement. Partie dans une expo peut-être un petit peu trop ambitieuse, mais qu'est-ce que c'est stylé cette map, qu'est-ce que ce biome est stylé, j'aime trop. Oh, il y a ceux-là. C'est ceux que j'ai à la maison. Ouais, on va en prendre, on va les planter. Et tu sais que je le tue, nous. Ils ont réussi à faire une cascade dans l'eau. Tu m'as vu pour gueuler autant? Non. Du coup, faudrait que je scanne le Léviathan près de l'Aurora. Je l'ai pas scanné encore. On m'a peut-être vu là. Non mais foutez-moi la paix, bordel! Faut que je le répare. Oh, ça va. Pour être pire. Ok. Je me rappelle plus ce qu'il y a ici. Mais j'aime trop l'ambiance. Ambie de fou. Ah, je pouvais scanner quelque chose peut-être bien. Non, j'ai pas le prone. Moi, le prone, je le prends que quand c'est nécessaire. Parce qu'en vrai, bon, je suis pas...
En fait, c'est plutôt que je suis tellement trop fan de la maniabilité du Simos que tant que je peux aller avec lui, j'y vais. Je sais plus comment activer les TP. Y a un truc que j'ai pas scanné ? J'ai cru voir. Ok. J'imagine que c'est l'histoire principale qui me débloque ça. Je m'en rappelle plus, ça fait vraiment longtemps. Le boss de Subnautica ? Bah après t'as plusieurs Léviathans, Gostas. Mais t'en as un qui est plus gros que les autres. En fait plus tu descends plus ils sont gros. Mais ouais t'as pas de... On va dire que t'as pas d'affrontement en fait, t'as pas d'armes dans le jeu, pas vraiment. Tu peux repousser des trucs et essayer de tuer des désinguer des trucs au couteau, mais... Mais c'est pas... le but c'est pas de buter des mobs. Ah oui c'est vrai, un truc qui sort du sol comme j'avais déjà eu. Mais là je l'ai pas vu. Et justement pour l'activer il me semble qu'il faut quelque chose. Il me semble. De toute façon j'ai pas de cube. Je verrai ailleurs, mais faudrait que je me trimballe toujours avec le cube limite. Avec mon cube. Oh non, il a pris cher. Welcome aboard, Captain. Ok. Bon, de toute façon, je vais t'amener à revenir ici. Ouah, de toute façon, en suivant la falaise, je trouverai. Peut-être qu'il y a un énorme monstre à la fin. En fait, tu as de plus en... Tu as des bestioles à découvrir, ouais. Tu as des bestioles à découvrir. Mais on peut pas appeler ça des boss. Ah. Là, je vais pas pouvoir y aller. Ah, je peux quand même, hein. Mais là, je brûle les étapes un peu quand même. Mais oui, on est à l'arbre. Je me dis bien qu'on n'était pas loin. Mais je brûle un peu les étapes là au niveau de l'histoire et tout et tout. Je vais revenir. C'est pas le moment. L'arbre, bah oui. Mais c'est trop tôt en fait dans l'histoire. Ah ouais, il y a des œufs ? Oh, je veux trop un œuf par contre. Ah, j'aimerais bien les voir. J'ai jamais fait gaffe. Il y en a ici des œufs ? Ah ça par contre, ouais, je veux bien l'info. Alors peut-être qu'il faut que je remonte un peu. On vient de le voir ? Ah ouais ? Oh, j'aimerais trop. Petite base secondaire ici ? Je crois que j'avais fait une base secondaire dans une île dans un coin volcanique, je crois. Ah, l'œuf dans l'arbre. Moi j'y vais, tant pis j'y vais. Ah oui c'est vrai, on peut pas le prendre. C'est vrai, on en avait parlé en plus un soir. Parce que moi je savais même pas, j'avais peut-être... En fait si, peut-être que j'avais su mais... Vu que ça fait longtemps. Bon, je vois, attendez, ça fait combien de temps ma VOD? Oh, une heure, ça va. Ça va. C'est un petit casque, une VOD de 2 heures là. Bah on va à l'arbre alors. Ah mais je vais peut-être pas pouvoir. Oh si, on va pouvoir. Ah mais c'est lui l'œuf. Oh. Oh j'aime trop cet endroit.
c'est ça l'œuf? Mais comment vous le savez? Il y a juste deux tic-tac dedans. Ah, c'est sur ta fiche que tu as scanné. Ok, je peux pas regarder si ça met pas le jeu en pause quand je fais stab. De données, mais c'est pas là-dedans. Si, ah si. Flore, peut-être. À l'arbre au cirque, pardon. Un arbre... Alors, un grand arbre rencontré dans une caverne profonde, le seul de son genre rencontré sur la planète. L'arbre est entouré de raies broutant les feuilles roses. Écorce, une écorce robuste à la croissance rapide couvre l'extérieur de l'arbre. De minuscules organismes habitent les encoches de, à la surface de œufs de Léviathan fantôme. Les branches sont enroulées autour de l'œuf non éclos. Ah oui, donc c'est le truc au milieu. Apparemment d'une espèce baptisée Léviathan fantôme. Cet arbre semble être une ancienne zone de ponte. De ponte. Les œufs ont été déposés lorsque l'arbre était jeune et les branches les protègent et poussent avec eux en attendant les bonnes conditions d'éclosion. Ouais, donc ça c'est un autre œuf. C'est un gros œuf, c'est un petit œuf. Oh ça on le savait. Attention, oh, faut que je fasse gaffe par contre, je suis à combien de ça. C'est si beau. Ah, mais je me demande s'il avait pas fait ici. Une seconde base. Je sais pas que je teste, je sais pas si Jilo elle aimerait ça. Je sais pas si ça la ferait pas flipper. Elle est pas très à l'aise avec les ambiances un petit peu oppressantes. Mais non, il y a pas de multi qui sera rajouté. Ça, c'est à peu près sûr. J'ai passé beaucoup de temps à l'espérer, mais non, jamais. Ah ! La coop dans le prochain, oui. La coop dans le prochain, mais le prochain, c'est pas tout de suite. Je vais aller par là. Mais j'ai vraiment sauté les étapes. Et je peux pas descendre beaucoup plus bas. Non, non, je vais rentrer. Je vais rentrer, là, je... Mais bon, au moins on a vu l'œuf de Léviathan, c'est cool. C'est cool. Mais toi, Dieu, est-ce que tu détruis l'arbre, tu voles les... Terrain scans indicate this biome contains unusually high concentration d'habituellement élevée de restes organiques fossilisés. Tu m'as déjà dit ça. Ah ça, je l'ai pas scanné, celui-ci. Mais je suis où là? Ça m'appelle un truc ici. Mais non, c'est safe.
Je voulais rentrer, je m'enfonce encore plus dans les dangers. Déjà lui, on le voit bien là-bas. Bon allez, on remonte un peu là. Je vais trop vite. On va pouvoir avancer un peu la quête principale, on va continuer à l'avancer plutôt. Mais là, là c'est un peu trop là. Est-ce que ça se scanne ? Essaye. Nénuphar de mer. Oui, c'est vrai que c'est assez marrant de voir un nénuphar à la surface d'un liquide qui est déjà de base dans l'eau. On voit pas ton énergie, mais vite de tomber en panne ici. Je suis à 66%, ça va. Mais c'est vrai que j'ai pas de pile de rechange sur WAM. Salut toi. Je me prends bien des poiscailles dans la gueule. Mais ouais, il faudrait que je recharge une autre batterie. Et que je la prenne. Ah, les trucs comme ça. Ce serait pas pour les piles ioniques, ça? Non mais arrête! C'est chiant! Un autre. Trop chiant. Ah bon, j'avais pas besoin. Ah, ce serait-il pas un bout de cyclope que j'ai pas, ça? Ah non, salle de scanner. En sérieux, y'a pas toute la salle de scanner. Parce que Cyclops, je crois que j'ai pas tout, hein. Chercher à sortir d'ici avec le Cyclope. Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai pas... Effectivement, on est censé en faire une base, en gros, le Cyclope. C'est un peu après ta base mobile et éventuellement, tu sors le prone avec si t'as besoin, ou le Simos si tu peux, mais voilà. Et moi, j'ai pas trop fait ça parce que je trouvais ça quand même assez chiant, le cyclope. Oh, j'aime bien cette musique-là. Vu que après t'es quasiment plus que dans des grottes... Est-ce que je l'ai scanné, lui? On va voir ça. Après, t'es quasiment plus que dans des grottes. Et du coup, c'est un peu chiant. Je crois que je l'ai scanné, j'ai pas vu le truc. Ça va, les mobs font pas très mal. Oh! Oh! Je saute les étapes encore! Toujours! C'est tellement tentant! Ow! J'ai pas fait gaffe! Arrête! Ouh! Ouh! Ça aurait pu mal se passer. C'est vrai que je peux y aller, ouais. Oh mince, c'est ça que je veux faire. Non! Non, non, non! Mais bon! J'ai pas encore les trucs avec moi pour faire ce qu'il faut ici, quoi. Enfin, ici. Je me rappelle un peu, mais... Je confonds peut-être les endroits. Ah oui, il y a une source d'alimentation là-bas. Ah voilà, il y a ça là-bas. Bon bah on y va. Par contre mon Simos, je vais vraiment éteindre la lumière et le foutre...
J'espère qu'il va rien lui faire. Parce que sans ça, je remonte difficilement. Ah mais j'ai pas la truc. Eh ben non, j'ai pas encore de tablette. C'est pas tout de suite. Okidoki. Tu reviendras. Ouais, c'est ça. Je peux totalement se faire démolir en ton absence. Mais ouais, je vois ça. J'avais oublié que lui, il se concentrait sur les engins. J'aime trop. Trop ce mob. Il est trop classe. Je l'avais un peu oublié. En fait, celui-là, même, je pensais... C'est pas tant que j'avais oublié, c'est que je pensais que... C'était plus sain de Bilo Zero. C'est par là la suite ou... Enfin, la suite. Par là que je rentre ou pas? Parce qu'en fait, là, je veux rentrer. En fait. J'explore, mais je veux surtout rentrer. Il doit bien y avoir des... Voilà, des petites sorties, là, comme ça, là-bas. C'est bon, on se bat. Avec les ballons. C'est trop joli. Tu remontes et que tu vois des ballons partout. Ouais, c'est vrai que le Simos, lui, il se fait fou l'attaquer même quand je suis pas dedans. Bon, les autres grottes, soit surface. Oui. Bah, j'ai un peu vu, j'en viens. Mais je peux aller tout de suite. Ah, à moins que... C'est par là... Ah, mais ouais, j'y suis, punaise. Bah, go. Ah, mais à lui. Bon, je vais le mettre plus loin. Je vais le mettre plus loin. Ah non, alors, hé, merde, hein. C'est des bâtards. Je suis à 55% d'énergie. Je vais me foutre là-dedans, je crois. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, merde. Hein. Poltergeist. Palme de charge. Je me rappelle pas de ça. J'ai pas beaucoup de réserves d'oxygène, faut que je fasse gaffe. Voilà. Oh, la gnôle. J'espère qu'il a pas repéré mon truc. Bah sinon je suis décédé. Hein. On va se barrer. Si je vois la sortie. Putain ! Heureusement que je l'ai abrité, hein. Regardez ça, là. Ouais, ils s'en foutent, moi, j'ai l'impression. C'est vraiment le sous-marin qui l'intéresse. Une vitre, merde.
comment je monte? Je peux pas monter par là. Je m'assure qu'il n'attaque pas. Ouais, j'ai pas de quoi aller en hauteur, mais par où j'y vais alors? Ça me saoule un peu. Par au-dessus peut-être? Ah, par là! J'avais pas vu. Ah oui, il est là le... Oui, effectivement. Je vois... Il y a effectivement un aquarium ici. Ok. C'était calme. Allez. Je me bloque beaucoup. Integrating new PDA data. J'ai l'impression qu'il veut mon boule celui-ci. Bon bah va falloir que je me casse. Sinon je vais décéder. Oh, œuf de créature. Let's go. Let's go. Me coince beaucoup, ça me rend un peu ouf. C'est pas par là? Allez, je t'en supplie! Faut se barrer maintenant! Je sais plus par où c'est. Par là. Je pensais que c'est une vitre. Ça va, ça va, ça va. Je commençais à paniquer, j'avoue. Welcome aboard, Captain. Tablette orange. Mais ouais, du coup, je peux déjà y aller? On dirait que oui. Mais j'ai un peu oublié par où c'était. Oh. Ouais, j'ai 52% d'énergie. Donc en vrai, ça va, mais effectivement, ça va commencer à être compliqué. Quoique après, c'était pas si loin d'ici, je crois. On va regarder un peu. J'ai toujours de la bouffe et de la flotte, et lui, bah tant qu'il est à l'arrêt, en espérant qu'il se fasse pas dégommer par contre. Et dans ce cas-là, faudrait que je le mette pas mal plus loin. Ouais, je vais retourner tant que je suis là. Là, je suis à la moitié de ma batterie. En soi, ça va. Ça descend pas si vite que ça. Bon, c'est vrai que par contre, c'est vraiment le seul truc qui me permet de vivre, quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai plus de batterie là-dedans, je meurs. C'est à peu près sûr. Mais bon, ça va, c'est pas loin. Faut vraiment pas que le poulpe il me cherche des noises. Je l'ai même pas scanné la tablette. Il y a full cube. Je vais mettre dans mon truc pour le lire un peu. Donc on est à côté. Je peux rentrer avec le Simos, mais oui, c'est vrai. J'y vais, j'y vais.
ça va, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ok. Oui, j'arrive. Alors, c'est quoi le pad qu'on a eu? C'est sur la faune. Oh, je sais plus. Mais ouais, mais voilà. Je sais plus, je sais plus. Regarde, des apéricubes, oui. Damage to plant life on the sea floor suggests. Dès que c'est par la végétation sur le fond, je veux dire qu'il s'agit peut-être d'un chemin, d'une immense quelque chose. Oh, il est là! Ah, je me rappelais plus où on l'avait, lui! Ah, le bébé! Ah, je me rappelais plus, trop contente de l'avoir trouvé. Mm-hmm. On n'était pas sur faune, flore ou corail, on était probablement sur... pas vraiment. Ah, données géologiques peut-être? Non. Ah, je sais pas ce qu'on a eu comme information PDA, j'aurais bien aimé savoir. Données téléchargées? Ça? Là? Dans le schéma. Ah oui, là, punaise, pardon. J'ai du mal. Hein. Excuse-moi. Alors, données téléchargées, oui, ça doit être ça. Mais pas les survivants. Voilà, données aliens. Artefact donné terminal. Les données de recherche exotique approfondies sur la faune locale avec un accent particulier sur leur méthode de reproduction. Je regarde de mon oxygène. Conclusion, hein. Les aliens ont découvert des formes de vie de la planète avec... Ah! Les formes de vie de la planète avec un seul sexe. Ils ont observé des organismes locaux se livrant à une reproduction asexuée. Tous les individus sains testés étaient capables de pondre des œufs. Les œufs ont également ont généralement besoin de matériel génétique d'une autre espèce. Dans de rares cas, un seul parent était requis. La mutation évolutive était induite par les effets de l'environnement lui-même. Condition d'éclosion de variation génétique entre les parents. Ok. J'avais déjà lu ça. Moi, c'est vraiment les trucs aliens qui m'intéressent beaucoup plus. C'est ce lore-là que j'ai bien envie de re-regarder. Tablette violette, j'ai pas scanné la tablette orange, j'ai été nulle. Mais j'étais un peu pressée quand je l'ai ramassée et puis là je l'ai posée très vite. Coucou Gamepad! Eh salut Joe, je sais pas si je t'ai dit bonjour aujourd'hui. Si je t'ai pas dit, bah je te le dis. Si je te l'ai dit, bah je te le redis. Fais gaffe à la VOD. 1h35, ça va. Bon! Eh bon! C'est bon ça! Bon voilà, je pense que j'ai scanné à peu près ce qu'il y avait à scanner. Ça, j'ai téléchargé. Là où on était un centre d'études de la reproduction des... de la faune locale, en gros. Il a faim. Oh mais j'en ai eu... j'ai eu deux mêmes œufs de créatures. Oh, truc de fou. C'est la meilleure des créatures en plus. Ah!
Est-ce que ça, va, ça s'ouvre le truc maintenant? Je pense pas, mais je vais check. Non, tant pis. Je voulais scanner la... Je voulais scanner la tablette. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Zoazou. Salut Zoazou. Bon, bah on a fait une bonne expédition là. Je vais avoir sûrement des messages en rentrant. Là, j'ai eu plein de trucs là. En plus, là, j'ai plus d'endroits à explorer. On va voir. Entre vivant et le Stimos en un seul morceau. Ouais, ça va ça. Ça va ça. Moi, je risque plus ma vie quand je scanne les bestioles. Mais j'espère vraiment que j'ai tout... J'espère vraiment que j'ai chopé toutes les infos qu'il fallait et que j'ai débloqué la suite. Peut-être tourner autour de ça pour être sûr que j'ai rien laissé de lumineux. C'est possible que j'ai pas dit bonsoir et que tu es avec Meloka. Que tu stream. Vu que j'ai stream sur mon écran de côté. En même temps, je joue à Sea of Thieves. Ah, cool! Ça va, ça se passe bien. Pas de sous. Ici, j'en regarderai. C'est bon, je me casse. Putain. Je pense qu'ici, j'ai scanné. Ici, j'ai ramassé. Ici aussi, là aussi. Là aussi, on voit d'ici que j'ai ramassé. Oui, j'ai bien ramassé. Là, il y a R. Ok, je me tire totalement. Ils sont trop chiants, trop agressifs. Alors, j'en suis. Ça va, 88% d'intégrité de la structure is ok. Et moi, je vais rester vers le haut pour un peu choper une petite sortie un moment. Et puis, ce sera bon. Genre là. On n'a pas scanné le lit, me semble. J'ai déjà. Normalement, j'ai déjà. Mais au pire, c'est pas bien grave, ça, j'avoue. Mais normalement, je l'ai, celui-là. Hein. Il ressemble beaucoup à celui que j'avais scanné. Ça, j'ai scanné, ça. Ouais. On voit un peu le ciel. Bon, ça va, on est bien, on est bien. On est bien, t'as eu... J'ai soif de fou. Ah, tu joues en mode multi? Bon, en même temps, le mode solo est tellement pourri au niveau thune, mais bon. Il y a plusieurs modèles. C'est vrai, mais franchement, j'ai l'impression... quand même déjà eu. Mais tant pis. Et là, on a décidé de nous attaquer pour nous voler les loot. Bah ouais. Mais c'est pas très bon. On a du mal à le couler. On n'a pas eu de mal à le couler, pardon. Et vendre ce que eux avaient sur leur marteau. Putain, GG. GG. Que celui déjà, j'ai pas tout suivi. Je crois que j'ai deux lits, mais je suis même pas sûre. Ça marche à faire un loup, des bisous, bonne nuit. Mon doudou, tout ça, tout ça. C'est bizarre de te voir à droite. Ouais, bah je sais, mais bon, à gauche, il y a toutes mes infos. Et j'aime pas avoir ma caméra qui flotte un peu quand il y a un fond vert. Mais oui, moi aussi. Welcome aboard, Captain. Moi aussi, ça me fait bizarre. Des bisous, Infernalou, mon doudou. Ok. Et eh ben c'était une aventure ma foi plein de rebondissements. Voilà, on a un nouveau truc, on a un nouveau signal. On va l'écouter. Oh, un truc alien. Ah, c'est tout. Mon truc il me propose pas de le décoder. Thank you.
Bon bah voilà. Là-dedans, je sais ce que je vais mettre, mais il me faudra un hublot. On a eu deux fois des trucs PVP, mais sans rien perdre. Oh, je... Et si puis après, c'est tout. Bah ouais, il me semblait que j'avais mon IA et elle arrivait à décoder les messages aliens et tout, là. Qu'est-ce que c'est que ces bataquakes? C'est goûteux. Alors, ici, je mets le salaire. Ici, tu mets truc inutile. Voilà, ça c'est bien inutile. Ici, c'est quoi? C'est cristaux. Donc je mets ça, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Les cubes ioniques, je vais mettre ailleurs, je pense. J'ai mes petites créatures. Il va falloir que je scanne, je crafte un hublot pour cet aquarium. Mettre ici peut-être. Ouais, si c'est pas ouf, je le déplacerai. Verre et quartz et titane. Quartz et titane, ah même pas besoin de verre. Hop là. Et ici on va mettre des bébêtes. Mais limite j'aime bien les mettre en extérieur eux. Est-ce que je peux ramasser les bestioles? On peut les prendre à la main? Je vais essayer. Parce que eux, ils t'accompagnent quand tu sors. Oui? Mais j'ai même pas des coutils ici moi. Inès, on a quand même uniquement. Ah, je me rappelais pas de ça. Ah, on peut les ramasser. Ok, ça va, c'est ok. J'avais jamais testé. Je me rappelais plus. Enfin, si, j'avais dû tester, je me rappelais juste plus. Ok, et ben on va les mettre là-dedans. On va mettre les bébés ici. C'est trop les bébés. Tac. 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 C'est pour la déco, ça. Les autres, je vais les mettre dehors. J'en mets un peu... Faut que je mette un peu de déco, quand même. Je vais mettre des algues aussi pour la déco. Mettre des trucs. Ouais, j'ai envie de bien. Eh, je peux peut-être mettre les champis pour la déco. Je vais mettre un petit champi pour la déco. Tu mets en extérieur, ils deviennent pas sauvages. Je sais plus, je sais plus. En fait, je sais plus, mais il me semblait. Mais ça fait longtemps. Il me semblait que ces petits machins là, moi, et ben ils venaient me voir quand j'étais dehors. J'avais ça en tête. Oh, ils sont trop mignons, regardez ça! Oh, les petits Pokémon. Trop bien. J'ai déjà dit que j'aimais trop ce jeu. Je peux pas trop jouer. Transformé en Barnzen. Est-ce que je peux la foutre dans ces trucs-là, là? Oh, cool! J'aurais dû la mettre dehors. Et je peux en mettre une dehors. Je crois que j'ai un truc rouge comme ça. Même deux, trois, vas-y, je mets. Regarde, un à l'état sauvage. Like a glove. Tu sais comment multiplier ça que j'ai atineux? Pas du tout. Mais j'ai l'impression que j'en ai eu trois. J'en ai eu trois à un moment alors que j'en avais que deux à la base. Voilà. Je sais pas ce qu'a fait que j'en ai eu un de plus. Mais c'est sûrement super. Tu veux savoir? Ouais, je veux bien, ouais. Oui. S'il te plaît. Hein? Bon bah nickel.
Alors j'ai cherché un peu de lithium avant. Un coup de couteau dans le sac. Ah, ça donne 4 ans. Ok, vas-y, je vais tester. C'est peut-être pareil pour le benzène, non? Ok, je vais tester. Parce que là, je sais pas si j'en avais déjà 4. Ok, let's go! Merci! Je vais remettre là-bas. C'est pareil avec les champignons. Oui! Ça fait pareil! Avec plein de plantes, ok, merci beaucoup. Ça marche différemment ça, c'est plutôt ça, ça. Oh, j'ai raté. Et ça, je vais en mettre une dans mon aquarium pour que ce soit quand même un peu jaune. Important qu'il y ait une petite algue sympa. Mais j'ai plus de place. Non, je veux pas faire ça. Aussi, j'ai de la place que j'ai vraiment. Je voudrais le mettre là. Je peux plus. Tant pis. Ok. Et ben, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais arrêter la VOD là, je fais des bisous à la VOD, et voilà. Non, pas cela, c'est des connards et ça joue pas. Et merci Bloody qui faisait du Fortnite. Merci beaucoup pour le raid. Et je fais juste des bisous à la VOD, je te souhaite une bonne soirée VOD. Bisous papa. C'était cool.